Là, je suis au resto, mais je voulais profiter pour vous parler de quelque chose pour toutes les personnes qui veulent postuler à un casting. Parce qu'il y a Ousmane, donc, que je connais très bien, qui lance un projet, et je trouve que c'est un bête de projet, parce qu'il lance une mini-série télé-réalité, enfin une mini-série réalité, pardon, sur ses réseaux. Et en fait, c'est un projet de malade, donc c'est un tout nouveau concept. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez le rajouter directement sur ses réseaux, il vous répondra. Et rajoutez-le, parce que prochainement, il ouvre son casting, donc pour toutes les personnes qui veulent aller sur son casting, qui veulent postuler, c'est là qu'il faut y aller. Et donc moi franchement je vous dis allez-y à fond, parce que c'est un projet de dingue et je pense qu'il va bien marcher. Avoir mangé, on s'est dit on va pas prendre un gros dessert parce qu'on a bien mangé, on va juste prendre un petit café gourmand. Ouais. Sauf que là, très petit, hein. Le café gourmand chez les épicuriens, ça donne ça. Il y a de tout. Panna cotta, tiramisu, il y a de tout. Ça, on mettrait deux à le manger. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on regarde nos snaps, on est mort de rire tout, enfin tous les deux. Voilà. Mort de rire de nos conneries. Mort de rire, ouais. Ah, mort de rire, rien du tout. Ouais. Qu'est-ce que t'as encore, chérie? Bah rien. Je me dis que. Quoi? Rien, je me dis que demain on est quel jour? On est mardi, mon amour. On est mardi. Dure journée. C'est vraiment un truc. Restaurant, casino. Non, non, casino, c'est mort. Dans 10 ans, je retourne. Tu connais, il faut payer les dalles pour rentrer aussi. Ça coûte cher. Tout est cher. Prendre deux bus. Jusqu'en Espagne. 6,50€. Tu prends le car? Autocar. Autocar. Oh! Oh! My drip, looking at your drip. Mommy, look at me. Oh, I'm killing it. Swinging side to side, and I'm killing it. Enfin prête. Voilà. Bon, j'ai pas encore mis de chemise, mais je suis toute prête. Aujourd'hui, les filles, j'ai voulu boucler mes cheveux. Pourquoi? Bon. Là, moi, je vais me faire un petit shape en attendant Tom qui finit de se préparer. Je suis en pleine hésitation entre soit les pastas veggie bolognaise, parce que sachez que ce shape, c'est végétarien, ou il y en a même qui sont vegan. Voilà, soit entre les pâtes à la arrabbiata, soit les mac and cheese. Bon, je vous avoue que les mac and cheese, je les ai tués. J'arrête pas. Du coup, je pense que je vais me prendre les pâtes à la arrabbiata aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous montrer comment les préparer. Il y a déjà les pâtes qui vont avec. Enfin, c'est trop bien ce shape. Pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, ce shape, ce sont des petits berlingots. Donc, comme vous avez vu, vous avez soit du sucré, comme là, par exemple, c'est brownie, soit du salé, donc comme les pâtes. Et vous choisissez, en fait. Et c'est des repas. C'est un challenge, tout simplement. Donc, un challenge soit de 5 jours, soit de 14 jours, soit de 28 jours. Moi, je vous conseille vraiment. Là, il est hyper facile à réaliser. En fait, il n'y a rien à faire, juste à préparer vos shakes qui sont hyper rapides à faire. Je vais vous montrer. Donc, vous avez à boire ou à manger, c'est à vous de choisir. Donc, le matin, vous prenez un berlingot, bien évidemment, sucré. Le midi, normalement, vous êtes libre de manger ce que vous voulez. Mais moi, je sais que ce soir, par exemple, je vais au resto. Du coup, je vais essayer de compenser. À midi, prendre un shake et ce soir, aller au resto. Et ensuite, le soir, vous prenez un shake, donc du coup, salé. Donc, je vous montre comment c'est préparé. C'est hyper bon.
hyper rapide. Vous avez plein de saveurs sur le site. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un berlingot, c'est 250 calories. C'est ce que le corps a besoin pour ne pas être en carence et aussi pour tout simplement ne pas prendre des calories en trop. Et vous êtes calé, c'est trop bon. Vous avez l'impression de ne pas faire un régime, du coup, de ne pas faire attention à votre ligne en mangeant des trucs bons. Et en même temps, bah, vous faites attention, vous perdez du poids. Hyper simple, on prend un bol. Vous avez le shaker et le shaker, il est trop bien. Ça, pour vos boissons, tout ce qui est sucré et tout, en fait, il mélange tout seul. Vous n'avez rien à faire, vous appuyez sur le bouton et ça mixe tout seul. Là, je mets de l'eau, du coup, parce qu'on commence par faire cuire les pâtes qui se cuisent en 4 minutes au micro-ondes. C'est hyper rapide. Donc, je mets mes pâtes dans l'eau, micro-ondes, et ensuite, je vous montre le reste. Une fois que les pâtes sont cuites, là, vous choisissez votre berlingot et vous videz tout le berlingot à l'intérieur. On va venir mélanger. Donc, hop. Et on mélange bien. Bon, là, j'attends que ça refroidisse un peu parce que c'est trop chaud. Hop. Donc en même temps, je mélange bien. Donc sachez que avec le code promo que je vous marque juste là, vous avez moins 10€ à partir de 60€ d'achat. Et voilà, donc sur tous les challenges, donc profitez-en. Et en plus, pour celles qui cherchent des encas, des trucs sucrés, enfin voilà, ils ont fait des nouvelles choses. Donc SoShape sur leur site, il y a des nouvelles saveurs qui sont hyper bonnes. Et donc profitez-en. Donc là, c'est à la rabiata. Vraiment, c'est hyper bon. J'ai l'impression de manger vraiment des penne à la rabiata, quoi. Donc, c'est ça. Bon, en même temps, il n'y a que 250 calories dedans. Trop bon. Salam alaikum. Ani al tomobila and zouk. Zouk, ma chérie, zouk. Zouk, c'est le cul. On sait que tu as un cul, chérie, c'est pas ça. Then zouk. Then zouk. Zouk. Avec un G à la fin, Q. Then sock. Non, mais un G, souk, souk, sougen. Sougen, c'est la conduite. Soug. Soug, voilà. Soug. Then sock. Voilà. Any chauffeur à Sahab. À Sahab. And I'm gonna eat. Non, et quand tu dis Chez Nakol. Those person. واحدة زوز تلاتة أربعة خمسة ستة après 7 c'était quoi سبعة أصدعتينا راسنا بيت واحد جوج تلاتة أربعة Je vais faire plaisir à des mamans qui ont des enfants ou des addicts de bonbons. Je ne sais pas si vous connaissez Lollibox. Donc Lollibox, c'est cette boîte-là. Je vais vous montrer. À l'intérieur, il y a plein de bonbons. Donc soit des bonbons qui nous rappellent notre jeunesse, soit des nouveautés, des découvertes de bonbons. Donc que des grandes marques comme Haribo, Lutti. Enfin, vous avez que des grandes marques dedans de bonbons. Et cette box-là, ce qui est incroyable, c'est que la première box est à 1€. Donc 1€ pour recevoir cette box. Regardez tous les bonbons qu'il y a dans la box, plein de paquets. Alors celle-là, les Haribo, c'est trop ma passion. Ceux-là aussi, les langues, ça me rappelle ma jeunesse quand j'étais jeune. Vous avez énormément de bonbons et elle coûte 1€ la première box. Donc en fait, comment ça marche? Vous allez sur le site, vous payez votre première box 1€ et ensuite c'est sans engagement. Donc engagement et si elle vous plaît, et ben vous avez rien à faire le mois d'après, et ben vous recevez votre autre box de bonbons. Donc tous les mois vous recevez une nouvelle box de bonbons avec plein de bonbons et plein de nouveautés. Donc et si vous ne voulez pas recevoir le mois d'après votre box de bonbons, et ben vous arrêtez donc l'abonnement entre guillemets, parce que vraiment il est sans engagement, vous l'arrêtez quand vous voulez. Je trouve que c'est une super bonne idée. 1€ tout ça en bonbons, franchement si vous avez des enfants, mais faites-leur un kiff. Vous prenez la box, c'est trop bien. Je vais vous montrer sur le site comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est hyper facile. Donc vous voyez, là je suis sur le site de Lollibox. Donc 1€ seulement, comme vous pouvez voir. Donc là, vous avez juste à rentrer votre adresse email, en mettre j'en profite et vous recevez un coffret rempli de bonbons avec des sucettes et il y a une petite... Tu veux recevoir une box de bonbons à 1€, et bah t'as juste à swipe up et à recevoir ta box. Tu suis juste toutes les instructions du site et c'est trop facile. Ouais, voilà. Mais on est bien ici, hein. Putain, c'est magnifique comme on est. Très bon. Dans le bord de la plage. Ouais, j'adore.
En fait, il a pas voulu remettre ma story parce que je me décrotais l'âme. C'est pas moi, c'est l'agent d'Instagram. Bah merci l'agent d'Instagram de l'annexe. Voilà. Pas te... Vous voulez t'éviter une souffrance. Oui, il est collé et, au reste. Et moi aussi, hein, la souffrance. Oui, hein, voilà, à moi, hein. On a dit, on voulait pas... Les chats et les chiens raffolent de leur croquette Jaffy. C'est vraiment les meilleurs pour eux. Ils aiment trop. Et ce qui est bien pour nous, les maîtres, c'est qu'on sait exactement ce qu'il y a dans leur croquette. C'est que des aliments sains. C'est une production française et tous les aliments, on les connaît. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas, vous voyez, toutes les choses mauvaises qu'on peut avoir dans les supermarchés. C'est des hyper bonnes croquettes. Ça ne coûte pas plus cher. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que vos animaux sont en bonne santé, que ce soit les chats et les chiens. Et même le vétérinaire va vous conseiller ces croquettes-là, de ne pas acheter les croquettes en supermarché. En ce moment, en plus, avec mon offre, sachez que vous avez deux nounours offertes Jaffy, enfin trois nounours offertes Jaffy pour vos animaux, pardon. Et vous avez aussi deux paquets de friandises Jaffy. Et ils en raffolent. Je vous montrerai demain comment ils kiffent leurs friandises, leurs bonbons. C'est une tuerie pour eux. Chacun leur paquet avec leur prénom, tout simplement parce que c'est des croquettes personnalisées selon votre animal. Donc vous allez sur le site, vous inscrivez votre chien ou votre chat et en fait ils vont vous demander l'âge, le poids, la taille, si c'est un chien par exemple qui est hyper énergique, s'il est calme, s'il est en obésité, enfin voilà, vous avez vraiment, vous décrivez votre animal et selon tout ça, et ben ils créent vos croquettes. Donc franchement allez-y, c'est trop bien. Bonsoir tout le monde, ça y est, je me suis préparée, enfin je me suis retouchée vite fait le make-up et là on va aller manger au resto donc avec des amis et puis voilà, on va manger au resto puis on rentre et demain comme je vous ai dit on a un truc à faire sur Paris, un mini tournage donc vous en direz plus demain si je peux mais en tout cas voilà, toute la journée demain on est sur Paris donc ça va être sympa, bon ça va être sympa, ça fait longtemps que j'ai pas été